Il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'ouvrirais un compte Tipeee pour Planète GT TV et ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça y est, la chaîne est enfin sur Tipeee et vous allez pouvoir me soutenir, soutenir Planète GT TV à travers des petits dons. N'oubliez pas, ne serait-ce qu'un euro par mois, c'est déjà beaucoup. Si vous pouvez donner plus, ce serait énorme et croyez-moi, ça peut faire une vraie différence. Mais si ne serait-ce que 1000 d'entre vous sur les quasiment 15 000 abonnés arrivaient à donner 1 euro par mois pendant 12 mois, on pourrait faire beaucoup de choses. Moi, je pourrais me consacrer à plein temps et de manière sereine à Planète GT TV, essayer de créer des nouveaux contenu, essayer d'aller chercher des partenariats pour avoir de l'argent et pas me soucier de comment je vais payer mon loyer, payer les affaires de ma vie, de mon bébé, de mon appartement, etc. Et on pourrait essayer de faire une belle chaîne automobile en France, de créer du contenu qui n'a pas encore été vu, créer de belles vidéos, pas simplement celles que je tourne en essai qui, mine de rien, sont un peu faites à l'arrache, mais du vrai beau contenu. En allant chercher des voitures dans les parcs presse, en prenant le temps de tourner des belles images sur plusieurs jours, essayer les voitures plus longtemps, faire quelque chose de concret. Donc si depuis que vous connaissez Planète GT TV d'une manière ou d'une autre, à travers un essai, à travers un reportage, à travers un JT Express, vous avez eu l'impression que je me donnais peut-être un peu plus que les autres, que vous kiffiez un peu plus que chez les autres, ou une vidéo vous a parlé, vous avez pu voir que j'étais un vrai passionné qui avait juste envie de partager avec vous et qui veut se donner du mal mais qui a besoin d'un peu de votre aide et que vous pouvez le faire, honnêtement, faites-moi confiance, venez, on fait une sorte de petit partenariat entre vous et moi et on essaye pendant quelques mois d'investir les uns dans les autres. Moi, je travaille en faisant les vidéos, vous donnez un tout petit peu d'argent et plus vous serez nombreux et moins vous aurez d'argent à donner. Donc c'est un peu une histoire de confiance. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut pas le faire? Vraiment, si vous avez les moyens, ne serait-ce que sur 3 mois, hein, si vous pouvez le faire sur 12 mois ou sur même plus loin, si on n'arrive pas à trouver des partenaires financiers d'ici là, n'hésitez pas. Mais si vous pouvez le faire que sur 3 mois, bah faites-le sur 3 mois, c'est pas grave. Moi, ça va m'aider et j'essaierai de vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Parce que je fais ça pour le kiff, je fais ça pour partager, je fais ça pour que vous puissiez toucher l'automobile de la manière la plus noble et cool et kiffante qui soit. Et c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut de l'argent. Sinon, pourquoi le Tipeee a mis un peu de temps à arriver? C'est parce que j'ai commencé à bosser. Je vous avais dit que financièrement c'était un peu chaud. Du coup, j'ai pris un taf en intérim, même plusieurs tafs, à vrai dire plusieurs missions pour faire de l'argent. Et c'est fatigant. Et du coup, j'ai eu un peu moins de temps à consacrer à Planète GT TV. Et puis, je voulais faire une belle page Tipeee. J'ai aussi créé une vidéo spécifique, très synthétique, qui explique pourquoi ce Tipeee, quel est l'intérêt, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour Planète GT TV de gagner de l'argent et pourquoi j'en arrive à Tipeee. Et pour le moment, elle est disponible que sur le Tipeee. Je pense que demain, je la publierai sur la chaîne pour que le plus de personnes possibles puissent la voir. Et je la mettrai sur Facebook, Instagram, enfin bref, partout pour qu'on optimise autant que possible les chances que ce Tipeee fonctionne. Et puis, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais essayer de m'y mettre pas mal, de partager des photos, des coulisses, des essais, des voitures, vous montrer à travers les stories quand je monte les vidéos, vous poser des questions. Je remercie d'ailleurs Alexis qui a été le premier à faire un don sur Tipeee. Merci, c'est beaucoup ce que tu as donné, ça fait vraiment chaud au cœur. Et avec qui j'ai pu juste échanger via Instagram, je lui ai envoyé le lien et il a donné de la manière la plus simple qui soit et ça fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous poser des questions. Il a vu la vidéo, il m'a donné son avis et ça c'est vraiment cool. Donc Instagram, Planète GT, vous allez me suivre. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, on continuera aussi à échanger sur YouTube. Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre au maximum. Ce soir j'irai répondre aux commentaires auxquels j'ai pas encore pris le temps de laisser un mot et on va essayer d'échanger tous ensemble, de kiffer. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est un peu la pression, hein, mine de rien. Lancer un Tipeee, il peut très bien ne pas marcher du tout. Et certains diront, mais quelle erreur, il s'est pris pour qui ce mec? Moi, je m'en fous, j'ai pas grand chose à perdre. C'est un coup, ça va super bien marcher. Et vraiment, je vous jure qu'on essaiera de se donner du mal, de montrer aussi aux constructeurs qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'on essaye de faire du sérieux, du très très lourd. Et pourquoi ne pas essayer de changer un peu la donne? Mais pour ça, il faut qu'on trouve un moyen de financer cette chaîne en quelque sorte. Et pour le moment, venez, on essaye Tipeee. Et si ça marche pas, et ben, au pire, je ralentirai, j'irai travailler. Et quand j'aurai de l'argent ou que je trouverai une solution, et ben, je reviendrai et je continuerai à faire des vidéos. Juste parce que dans un premier temps, c'est un kiff. Et deuxièmement, si on peut montrer un peu l'exemple à ce petit monde français qui se touche un peu les cacahuètes, et ben, ce serait avec un grand plaisir. Donc, vous me suivez sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. J'essaye d'y mettre la sauce. Je vais publier une petite photo ce soir. Et puis, j'espère que vous avez quand même passé
vous passez de bonnes vacances, que vous profitez des vôtres, c'est important quand même, hein, qu'il se passe de belles choses et que le dernier JT Express vous a fait plaisir sur la Mégane 4RS. On va essayer de ressortir un peu de vidéos, même si je dois encore travailler en intérim et du coup je risque d'être crevé, mais c'est du kiff. J'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Je vous retrouve très bientôt. Et kiffez la vie, surtout, c'est le truc le plus important. Là, le lien Tipeee est dans la description. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis, on se voit d'ici très peu de temps. Merci déjà à tous ceux qui sont là d'être abonnés, de suivre la chaîne, de poser des commentaires, de liker, de partager quand vous pouvez le faire. Ça fait vraiment plaisir. Cette aventure est incroyable. C'est une boucherie. Et moi, juste, je kiffe. Et là, ça fait 5 minutes 34 que la vidéo a commencé. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va aller tous travailler ou kiffer la vie demain et continuer chaque jour à s'amuser ensemble si possible. Ça fait vraiment plaisir et je suis content de lancer ce Tipeee, qu'il marche ou non, c'est une nouvelle étape, c'est la continuité de cette chaîne et c'est trop cool. Bref, allez, je m'arrête, faut que je poste la vidéo et puis après on va essayer de kiffer un peu. Salut à tous.